Hey yo, salut les gars, c'est Insonax39. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Shadow. Donc ce tuto on me l'a beaucoup demandé, c'est pour comment gérer les margois rapidement et facilement. Donc voilà, je vais vous montrer la technique avec le protecteur civil. Donc il faut juste récupérer les harnis dans la boîte et construire, activer le protecteur civil avec les trois fusibles. Donc les trois fusibles sont dans les trois couloirs, dans les trois zones de Shadow. Donc là bon, je pense que jusqu'à là je ne vous apprends rien. Donc voilà, je prends mon fusible, tac, je retourne aux épées et je les place dans le boîtier. Donc voilà, une fois qu'ils sont dans le boîtier, ça va. Donc moi j'évite cette technique dans les petites manches parce que c'est vrai qu'on a un spawn de merde et en plus ça gâche des points parce que le protecteur coûte quand même 2000 points. Donc voilà, je fais spawn le margot dans la salle des épées. Je prends ce téléporteur direct, je balance une harnie contre le bateau. Et comme ça le margot est attiré, j'active le protecteur. Et en fait dès qu'il va tomber, il va faire exploser le margot, mais à faire attention parce qu'il fait exploser la harnie aussi. Donc le mieux c'est d'en balancer une deuxième, ouais, hop, je refous. Je fais spawn le margot dans la salle des épées, je monte. Donc là j'y vais un peu n'importe comment, mais bon c'était juste pour la vidéo. Normalement je le fais pas mange 17, c'est pour ça qu'il y a un spawn pas terrible comme ça. Tout de suite le voilà, je le vois arriver dans ce petit coin là-bas, la harnie, et là j'appuie le protecteur tout de suite. Et vous pouvez faire ça à n'importe quelle manche, que ce soit à la manche 10 ou à la manche 50, le margot il explosera. Même en coop avec les trois margots, vous pouvez faire ça avec les trois margots en même temps, les trois exploseront en même temps. Voilà, un petit exemple, je prévois mon margot à la 112, là c'est à la fin de la 111. Tout de suite, j'active là. Et en fait, ce que je fais, j'attends, je me fais même pas chier, j'attends direct juste au son. J'attends le margot qui tombe. Voilà, dès qu'on l'entend, c'est qu'on peut y retourner. Hop, on l'entend tomber, on passe le télépot. Et on prépare l'harnie tout de suite. Voilà, on balance l'harnie, on l'active. Et le mieux, c'est de préparer une deuxième harnie dans les plus grosses manches. Au moins, on est sûr de jouer tranquillement. Voilà, la deuxième harnie. Donc voilà. Et pendant que je suis avec le protecteur, je me suicider. Et pendant que je suis avec le protecteur, je vous expliquais aussi que ce qui est bien, c'est que là, le protecteur, quand il est activé, quand on meurt, et bah, il nous réanime en fait sans user notre réa. Donc vous voyez, il m'a réanimé, il m'a redonné ma réa. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il va vous servir. Allez, ciao les gamers!